Eh bien, bonsoir à tous, c'est le Titan Fou, oui, bonsoir, parce qu'il est 22h au moment où on tourne cette vidéo. On se retrouve pour le premier épisode du Quiz de l'Infini, et donc aujourd'hui, je suis avec un abonné qui s'appelle Zerzer. Zerzer. Et donc, bon, j'espère que t'es chaud, parce que les questions, tout à l'heure, c'est du lourd. Donc, j'explique un peu vite fait le truc. Donc, c'est un quiz avec 10 questions. Donc, tu as 3 paliers. Donc, j'explique le concept d'un palier, c'est que par exemple, le premier palier c'est la question 3. Si tu arrives à le passer, tu pourras pas retomber plus bas. Tout simple. Donc, tu as un palier à question 3, 6 et 10. Voilà. Tu as 3 jokers. Tu as la pierre de réalité qui te permet de changer de question. Si la question ne te plaît pas, hop, tu la vires. Tu as la pierre de l'esprit qui te permet de faire un 50-50. Donc, tu élimines 2 mauvaises réponses. Et tu as la pierre de l'âme qui te consiste d'appeler un ami ou de. Demander un indice à moi si t'as personne sous la main. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Donc, première question, c'est parti musique. Alors, combien de membres compose l'équipe des Avengers dans le premier volet? Alors, laisse-moi Première réfléchir, je question. te Attends, réponds. j'ai des propositions. Première proposition, 4, 5, 6 ou 7? Alors, je vais réfléchir. Est-ce qu'il y avait 5 dans tes propositions? Alors, 4, 5, 6 ou 7? Ben moi je dirais la 2. 5, t'es sûr? Tu me mets le doute, attends, Ah laisse-moi bah oui, réfléchir un peu en fait. Enfin, dis-moi à qui tu penses qu'on fasse le décompte ensemble. J'ai rien dit. Iron Man. Iron Non, Man, Iron ça fait 1. Man. Black Widow. 2. Thor. 3. Captain America, 4. Hulk, 5. ah j'ai oublié Hulk de Faucon, Avec des faucons, 6. C'est tout? et ben, normalement oui c'est tout, dans le premier il y a que ces personnages-là, donc Oui. ouais oui C'est ton je dernier dirais mot? 6, Ton dernier mot? oui c'est mon dernier mot. Tu ne peux plus faire demi-tour et malheureusement je n'aimerais te dire que tu as raison, c'était 6. Donc, bon, tu passes à la première question, hein. C'est une question très simple, hein, t'as vu, hein. Donc on arrive à la Ouais. deuxième question. Donc question rien à voir. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. De quelle couleur est la pierre du temps? Bleu, rouge, verte ou orange? De quelle couleur est la pierre du temps, c'est ça? Ouais. C'est vert. C'est C'est mon dernier mot. ton dernier Oui. mot. C'est une bonne réponse. Bon, c'était pas compliqué, mais bon. Attention, question importante, on arrive à la troisième question, question pour le premier palier, qui est le palier Avengers. Et donc, comment s'appelle la cape de Doctor Strange? La cape de méditation, la cape de lévitation, la cape volante ou la cape rouge? La cape de lévitation, c'est mon dernier mot. Bon bah il traîne pas, donc c'est une bonne réponse, tu atteins le premier palier, mais là on va commencer à attaquer le dur. Tu vas m'en rigoler maintenant. Quatrième question pour atteindre à la sixième question, le deuxième palier. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Donc cette vidéo, enfin ce quiz peut contenir des spoilers pour Infinity War, donc si vous n'avez pas vu, à vos risques et périls. Hein. Donc quelle est la quatrième pierre que Thanos récupère dans Avengers Infinity War? Et t'as des propositions ou pas? Non, c'était dans pour les. Je peux te donner des propositions si tu veux. La pierre de l'espace, la pierre de l'âme, la pierre de l'esprit ou la pierre de réalité. Je dirais la pierre de réalité, c'est mon dernier mot. La quatrième pierre que Thanos récupère, tu penses que c'est la pierre de réalité? Ah, C'est ton dernier mot? t'as dit espace. J'ai dit espace, âme, esprit ou réalité. Alors. Bon, évidemment, je rappelle qu'il est interdit d'aller voir sur Internet, hein. Je te fais confiance. Ah, non, non, je te jure, j'irai pas voir sur Internet. De Non, non, toute mais façon, je pense. je te fais un peu moins confiance, t'inquiète pas. Je précise pour les prochaines. Oui, mais de toute façon, je suis venu ici juste pour m'amuser. Ah bah oui, c'est le but. Ouais. alors, je dirais. C'est pas l'esprit parce que c'est la dernière qui réussit. Je dis rien.
Oui, je sais, mais Bon, ça. c'est vrai que c'est un peu Alors, logique celle-là, mais bon. celle de l'espace, ouais, c'est la deuxième qui récupère. Donc, du coup, il reste plus que Que la pierre de âme. réalité, réalité et âme. C'est bon, je dis âme parce que réalité, il a la fin avec vision, donc c'est sûr, c'est âme. C'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Eh ben c'est une bonne réponse et je crois que j'ai bien fait de te rappeler parce qu'au début t'as dit réalité, j'étais sûr. Maintenant je me tais. Hein. Donc bien joué, écoute. Hein. Donc on arrive à la cinquième question. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Quelle est la dernière personne à mourir dans Avengers Infinity War? Vision. Juste, je rappelle un truc. Je considère que ceux qui meurent du claquement de doigts sont morts. Voilà. J'ai pas Ah précisé, ouais. j'ai pas précisé, mais voilà. Ah chaud. Ben, j'utilise la pierre de la réalité. Tu changes de question? Oui. Et bah la réponse c'était Nick Fury dans la scène post-générique. Ah ouais, c'est... Oh, Ah c'est bah oui, pas grave. voilà. Donc la question de, j'appelle ça la question de secours. Donc bah c'est qui meurt en premier dans Infinity War maintenant? Quelle est la première personne qu'on va mourir? Donc il y a Gamora, Loki, Heimdall ou Ebonimo. Je dirais Loki. C'est ton dernier mot? Ah, entre Loki et Heimdall, je sais que Heimdall, ah, il aide pour descendre Hulk sur Terre, du coup Thanos, ça lui plaît pas, il le tue. Est-ce que c'est après qu'il tue Loki ou pas? Ah, moi je sais. Non, c'est bon, c'est Heimdall, parce que il tue Heimdall, il descend Hulk sur Terre, et donc du coup, bah après, ouais, je dis que c'est Heimdall. Son dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Alors, en récapitule, le film commence. Thanos arrive et demande le Tesseract à Loki. Loki lui donne. Thanos défonce Hulk. Et là, bah, t'as Loki qui dit je suis le dieu d'Amalie, c'est tout. Et Thanos qui le prend par le cou, qui l'étrangle. Mais juste avant, il tue Heimdall. Donc, tu as eu raison. Bonne réponse. Je sais, j'aime bien mettre des coups de stress, hein, tu m'excuseras. Pas de soucis. Alors, bon, tu arrives à la question pour le deuxième palier, donc maître des arts mystiques. Question très importante, donc ne te plante pas. Ok. Bon, visiblement, j'aime bien les questions sur les morts. Donc, quel est le dernier membre de l'Ordre Noir à mourir? Réponse 1, Corvus Glaive. Réponse B, Ebonimo. Réponse C, Proxima Midnight. Réponse D, Cole Obsidienne. Ah, Ah, si tu connais pas les noms, si tu veux, je peux te décrire. Hein. je sais que Ebonimo, c'est celui qui est un peu moche, je crois qu'il est Ouais. un peu gris. Corvus Mais Glaive, c'est celui qui il a a. une espèce de lance, non, c'est Ouais, ça? c'est ça. Proxima, c'est la fille. Et que l'obsidienne, c'est le gros, là. Ah, mais j'hésite encore parce que je sais que Ebonimo, ah, Corvus Glaive, ah, lui, je l'ai oublié. Corvus Glaive, c'est celui-là avec la lance à deux tranchants, double tranchant, là. Ouais, mais j'hésite entre Proxima Midnight et Corvus Glaive dans la bataille du Wakanda, franchement. Ouais, bah y a le gros qui meurt dans la bataille du Wakanda, mais après, savoir lequel meurt en premier. Ah. Ah ouais. Après, les trois autres questions sont vraiment. Faut vraiment y aller. Hein. Déjà, si t'as passé ça là, t'es sûr de pas redescendre plus bas. Donc bon. Je pense que c'est Proxima Midnight. Je te rappelle que t'as encore deux jokers, hein. La pierre de l'esprit, la pierre de l'âme. C'était un doute. Cette question est très importante, donc sauf si t'es sûr de toi, vas-y, mais sinon, n'hésite pas à utiliser. Bon, je suis moyennement sûr, donc de toute façon, je pense que je vais prendre la pierre de l'âme. Tu veux appeler un pote? J'ai pas de pote, Tu veux que je du te donne un coup. indice? Ouais, je veux bien. Alors. Bon, je te dis pas la réponse, mais dans le film. Corvus Glaive et Proxima Midnight et Cupidian sont les trois à la bataille du Wakanda, finale. Comment dire? Comment dire le truc sans dire le truc? Je peux te dire que c'est pas que l'obsidienne. Ok, donc ça m'aide un peu C'est pour pas le choisir. gros.
Soit la fille ou l'autre. C'est soit. T'as dit c'est soit le gros ou la Non, fille ou non. c'est. Le gros, il meurt en premier, donc c'est pas le dernier à mourir. Ah, Donc ok. c'est soit la fille ou le mec à la lance. Je crois que c'est Black Widow qui tue la fille. Moi, je dis que c'est la fille, mais. Ah. Non, c'est Wanda qui tue la fille. Elle la voit dans des roues. Tu sais, elle balance en l'air. Hein. Mais du coup, c'est Corvus Glaive. Corvus Glaive, il se fait tuer par Vision. Ah, Mais ça t'aide pas. Vision. Oui, c'est Vision qui est en train Ah ouais, mais de. Vision, c'est à la fin. Ouais. Mais ça veut rien dire, hein. Après, bon. Oui, mais sauf que quand on se souvient des scènes, il se fait tuer par Vision. Vision, pendant l'attaque du Wakanda, il est avec Shuri. Donc du coup, ben, c'est sûr, c'est Proxima Midnight. C'est mon dernier mot. T'es sûr de toi? Oui, je suis sûr de moi. Bon, alors je récapitule. Le premier qui meurt, c'est Bonimo au début du film. Il se fait éjecter dans Oui. l'espace par Spider-Man. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Ensuite, et bah c'est que l'Obsidienne qui meurt. Il se fait envoyer dans le bouclier là, en haut. Et là, il y a Black Widow qui se bat avec Proxima Midnight et Okoye. Et pendant ce temps, t'as Vision qui est en train de se faire attaquer par Corvus Glaive. Ça se passe en même temps l'action. Après, Ouais. Scarlet Witch arrive et tue Proxima Midnight. Et ensuite, c'est Corvus Glaive qui meurt. Par Vision. Donc, Oh je suis navré de te dire que tu t'es planté. mince. Eh oui. Bon, je sais que c'est bon. Tu t'es planté à la question du palier, c'est dommage. Donc, du coup, tu retombes à la question 3. Le premier Ok. palier, Avengers. Donc, tu es un Avengers. Donc, ah, ça m'énerve parce que tu étais presque, mais. T'as pas. Ouais. Après, j'ai vu le film 6 fois, donc forcément, je me rappelle plus. Tu l'as vu qu'une fois, donc bon. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. C'était bien sympathique. Ceux qui veulent passer pour l'épisode suivant, n'hésitez pas à mettre Quiz Marvel en commentaire. C'était le Titan Fou et Zerzer. Salut tout le monde!